Bonjour et bienvenue. Au cours de cette présentation, nous verrons une fonctionnalité de Microsoft Excel c'est la représentation graphique. Les graphiques vous permettent de visualiser et synthétiser vos données d'une manière claire et concise. Il est préférable d'utiliser les graphiques dans les rapports et les présentations pour améliorer et clarifier votre travail. Excel propose plusieurs modèles graphiques utiles pour faire parler vos données. Dans cette présentation, nous allons découvrir comment créer et personnaliser des graphiques à l'aide des exemples. Soyons plus pratiques et prenons l'exemple suivant. C'est une feuille de calcul qui décrit la liste de ventes par région entre 2017 et 2020. Donc, pour insérer un graphique, il faut tout d'abord sélectionner la plage de cellules concernée. Ensuite, Excel propose plusieurs méthodes d'insertion du graphique. Soit en utilisant l'outil d'analyse rapide pour faire des mises en forme, d'ajouter des graphiques ou d'autres plusieurs objets. Dans le cas plus général, il faut aller dans l'onglet Insertion, ensuite dans le groupe Graphiques, vous pouvez choisir l'un des modèles proposés ou aussi de cliquer sur le lanceur pour afficher la liste des graphiques. Recommandé. dans un cas plus général, il faut cliquer sur tous les graphiques pour afficher tous les modèles proposés. Donc dans cet exercice, il est demandé d'insérer un graphique en 3D groupé. Donc il faut aller à histogramme, ensuite il faut choisir 3D groupé. Enfin, il faut choisir l'un des modèles proposés et valider par OK pour achever l'insertion du graphique passons maintenant à découvrir comment faire pour ajouter des axes, des titres sur les axes des abscisses et les ordonnées. Donc pour ce faire, il faut sélectionner le graphique. Ensuite, en utilisant le groupe éléments de graphique, vous pouvez sélectionner la case titre des axes. Donc vous remarquez que deux zones textes sont ajoutées pour faire l'ajout des titres. Donc ici, il est demandé de donner sur l'axe des abscisses du titre région et sur l'axe des ordonnées vente en dinar tunisien. Donc vente en tunisien donc il suffit de cliquer ailleurs pour achever l'ajout des titres passons maintenant à découvrir comment faire pour modifier les styles de graphique donc pour ce faire il suffit de sélectionner le graphique et d'utiliser l'outil style de graphique dans un cas plus général vous allez à création et vous trouvez la liste des styles proposés donc, dans cet exercice, elle est demandé d'appliquer le style 2 et un jeu de couleur 4. Donc, on va choisir le style de couleur 2. Et pour appliquer un jeu de couleur, il faut aller à couleur. Ensuite, il faut choisir le jeu de couleur 4 pour modifier le style et appliquer le jeu de couleur. Passons maintenant à découvrir comment faire pour appliquer des filtres. Donc pour ce faire, donc, il est demandé d'appliquer un filtre au graphique donc, euh, en affichant tout seulement les régions de Tunis et Sfax donc, pour l'année 2019 et 2020. Donc pour ce faire, il faut sélectionner le graphique. Ensuite, il faut utiliser l'outil filtre. Ici, il faut donc, sélectionner la ville de Tunis et Sfax. Donc on va cocher seulement la ville de Tunis et Sfax. On va garder que les années 2019 et 2020. Enfin, il faut cliquer sur Appliquer pour valider l'application du filtre. Passons maintenant à voir comment faire pour désactiver le filtre. Donc pour désactiver le filtre, il faut sélectionner notre graphique. Ensuite, dans l'outil Filtre, il suffit de cocher les séries proposées donc, et les catégories proposées. Et enfin, il faut cliquer sur Appliquer pour désactiver le filtre. Passons maintenant à voir comment ajouter un titre. Donc, pour ce faire, donc, il faut cliquer sur le graphique. Ensuite, donc, on peut cliquer sur l'outil Éléments de graphique. Par la suite, il faut aller à titre du graphique. Donc, euh, et vous pouvez placer le titre du graphique dans l'endroit souhaité. Donc, euh, ici, une zone texte a été ajoutée. Donc, on va taper ici le titre vente des agences. Donc, vente des agences. Voilà on passe maintenant à découvrir comment donc modifier notre source de données en ajoutant la ligne suivante donc vous pouvez faire directement la saisie ou aussi on peut faire un copier-coller donc on va sélectionner cette ligne ensuite on peut aller à copier donc on va sélectionner la zone destination et on va cliquer sur coller pour ajouter la ville de Sousse. On passe maintenant à découvrir comment faire pour appliquer des mises à jour sur le graphique. Donc vous remarquez ici nous avons cinq agences par contre ici le graphique représente que 4 agences. Donc pour ce faire, il faut sélectionner le graphique. Ensuite, tout en plaçant le flèche de la souris ici par la suite, tout au maintenant le bouton gauche enfoncé, on peut glisser. Donc, euh, vous remarquez que la ville euh, ou la région source a été ajoutée à notre graphique. Dans un cas plus général, il faut donc euh, cliquer sur création et modifier, donc euh, sélectionner des données et modifier donc, la plage de données du graphique et valider par euh, OK. Passons maintenant à voir comment faire pour déplacer un graphique. Donc pour ce faire, il faut sélectionner le graphique. Ensuite, dans l'onglet création, il faut cliquer sur déplacer le graphique. Donc Excel nous propose deux méthodes de déplacement. Soit on va placer cet objet dans une feuille existante, ou aussi on peut cliquer sur une... Nouvelle feuille, donc on va déplacer le graphique dans une nouvelle feuille. Donc on va nommer cette feuille Graph et valider par OK. Donc vous remarquez, une nouvelle feuille a été ajoutée, nommée Graph, contenant notre graphique. Passons maintenant à découvrir donc comment faire pour ajouter un autre graphique du type courbe avec marqueur qui présente. L'évolution des ventes de l'agence de, de Tunis entre 2017 et 2020. Donc, pour ce faire, il suffit de sélectionner la plage de cellules qui présente la liste de ventes de la région de Tunis entre 2017 et 2020. Par la suite, il faut aller dans Insertion. Puis, donc en cliquant sur le lanceur, donc on trouve la liste des graphiques adéquats. On peut passer à tous les graphiques. Donc ici, il est demandé d'ajouter un graphique en courbe. Donc il faut cliquer sur Courbe. Par la suite, Courbe avec des marqueurs et valider par OK. Donc vous remarquez que le graphique a été inséré. Passons maintenant à découvrir comment placer une légende. Donc pour ce faire, il suffit de sélectionner donc, notre graphique. Par la suite, il faut cliquer sur euh, Éléments de graphique. Donc, on va choisir euh, l'option Légende. On va cocher la case Légende. Par la suite, on peut placer cette légende soit à droite, en haut, à gauche. Donc, il est demandé ici de placer à droite. Passons maintenant à découvrir comment faire pour euh, modifier le type de graphique. Donc, il est demandé de modifier le type de graphique en secteur en 3D. Donc avec un style 3. Donc pour ce faire, il suffit de sélectionner le graphique. Par la suite, dans l'onglet Création, il faut aller à l'option Modifier le type de graphique. Donc ici, les différents types de graphiques proposés. Donc euh, on va choisir secteur. Ensuite, un secteur en 3D et valider par euh, OK pour faire la modification. Donc, passons maintenant à voir comment appliquer un style. Donc, il suffit de cliquer sur Style. Et ici, on va choisir le style 3. Voilà. Donc, vous remarquez ici qu'il y a deux valeurs en pourcentage qui sont ajoutées à notre graphique. Donc, on peut déduire que le graphique permet de représenter et synthétiser les données. Maintenant, on va découvrir. Comment faire le choix d'un tel graphique à travers des questions bien précises? Prenons l'application suivante. Ce classeur contient deux feuilles, une feuille nommée application et une feuille résultat vide. Cette feuille, elle contient un tableau qui décrit le cursus scolaire d'un élève entre la septième année de base et la troisième année secondaire. Pour deux types de matières, scientifiques et littéraires. On vous demande ici de prévoir sa note en informatique pour la quatrième année secondaire. Pour ce faire, on va représenter graphiquement cette plage de données, donc les notes de la matière informatique. Par la suite, dans l'onglet Insertion, on va cliquer sur le lanceur du groupe Graphique. Excel nous propose plusieurs modèle ou plusieurs graphiques recommandés. Donc, nous propose un histogramme groupé qui permet de comparer les valeurs de quelques catégories. Aussi, il nous propose un graphique à barres groupées permettant de comparer les valeurs de quelques catégories. Il est recommandé d'utiliser ce type de graphique dans le cas où la taille des, des catégories est longue. Aussi, il nous propose un graphique en courbe. Donc, qui permet d'afficher des tendances dans le temps, bien sûr dans les années, les mois et le jour. Un graphique en nuage de points avec des lignes droites et des marqueurs permettant de comparer au moins deux ensembles. Et un graphique en secteur permettant de montrer des proportions dans le temps. Pour notre exemple, on va prévoir la note de l'élève en informatique pour la quatrième année. Donc pour ce faire, donc on va choisir un graphique en courbe, rappelons que le graphique en courbe permet d'afficher les tendances dans le temps. Donc le, le graphique en courbe est le plus adéquat à la plage de données déjà sélectionnée. Donc pour valider l'insertion, on va cliquer sur OK. Maintenant, on va modifier l'ensemble d'informations dans l'axe horizontal. Donc pour ce faire, nous allons dans L'onglet Sélectionner les données. Par la suite, on va modifier cette euh, étiquette de l'axe horizontal. Donc, on va cliquer sur Modifier, puis on va sélectionner cette plage de données et valider par euh, OK. Et valider par OK. Dans l'outil éléments de graphique, nous allons faire l'ajout d'une courbe de tendance, puis on va ajouter. Donc, une prévision linéaire. Donc, on va faire une prévision de la note de l'élève en informatique. Donc, on peut déduire de cette droite que l'élève peut avoir en quatrième année une note au voisinage de, de 14. On va déplacer ce graphique maintenant dans la feuille résultat. Pour ce faire, on va sélectionner l'option déplacer le graphique. Ici, on va choisir la page où la feuille résultat est validée par OK pour déplacer ce graphique dans la feuille résultat. Revenons à l'application. Passons maintenant à la question suivante. On vous demande de déterminer la part de chaque matière en troisième année. Donc, pour ce faire, il faut sélectionner cette plage de données. Donc, on va sélectionner la ligne 8. Puis dans l'onglet insertion et le groupe graphique, on va cliquer sur le lanceur pour afficher donc, la liste des graphiques adéquats à cette plage de données. Donc Excel ici nous propose plusieurs modèles Rappelons que le graphique en secteur nous permet de montrer des proportions d'un tout. Donc puisque nous allons déterminer la part de chaque matière, donc on peut déduire que le graphique en secteur est le plus adéquat à cette plage de données. Donc pour insérer ce graphique, il suffit de cliquer sur OK. On va modifier la série de données. Donc pour ce faire, il suffit d'aller dans l'onglet Création, puis dans l'option sélection, Sélectionner des données. Ici, on va modifier les informations sur l'étiquette de l'axe horizontal. Donc, on va cliquer sur Modifier. Puis, on va sélectionner la liste de matières informatique, mathématiques, français et anglais. Et valider par OK. Une deuxième fois par OK. Donc, ici, nous avons un secteur qui nous permet donc, de représenter la part de chaque matière. À titre d'exemple, l'informatique en bleu, le mathématique avec la couleur rouge, le français en gris et le jaune pour uh, l'anglais. Donc, on va déplacer ce graphique dans la feuille résultats. Donc, comment se faire Donc, il suffit de cliquer sur le graphique, puis dans le groupe outils de graphique, il faut aller dans déplacer le graphique, puis il suffit de choisir uh, la feuille résultats à partir de cette liste et valider par OK. Donc on peut déplacer ce graphique dans la position souhaitée tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Revenons à notre application. Maintenant, on va comparer les notes de l'élève en mathématiques. Donc pour faire des comparaisons, on peut rappeler qu'un graphique en histogramme permet de comparer des catégories. Donc on va insérer un graphique en histogramme qui permet de comparer les différentes notes en mathématiques. Donc, pour ce faire, il suffit de sélectionner cette plage de données. Donc, on va sélectionner la colonne contenant les notes de la matière mathématique. La même démarche sera réalisée. Donc, euh, l'onglet insertion, puis le groupe graphique sur le lanceur. Donc, euh, nous avons un histogramme groupé donc, et validé par OK pour euh, représenter les différentes catégories. La même démarche pour euh, la modification des informations sur euh, l'axe des abscisses. Donc, il suffit de cliquer sur Sélectionner des données à partir de le groupe Outils de graphique. Donc, on va cliquer sur Sélectionner des données. Puis, dans l'étiquette de l'axe horizontal, on va cliquer sur Modifier et il suffit de sélectionner donc les différents niveaux de bien sûr les différents niveaux scolaires de l'élève et valider par OK une fois une deuxième fois par OK donc nous avons un histogramme qui représente les différentes notes de l'élève allant de la septième année de base jusqu'à la troisième année secondaire avec ce graphique on peut donc comparer les différentes note de cet élève. donc on va déplacer ce graphique dans la feuille résultat pour ce faire. donc il suffit de d'aller dans l'option déplacer le graphique. puis, donc, euh, on va choisir la feuille résultat et valider par ok. donc, on peut déplacer la position de ce graphique tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. on va le mettre ici. voilà. donc, nous avons au cours de cette application, nous avons inséré trois graphiques. Le premier, c'est un graphique en courbe qui nous permet donc de faire des prévisions à l'aide d'une droite. Le deuxième, c'est un graphique en secteur donc, qui nous permet de représenter des proportions d'un tout. Et le troisième, c'est un histogramme qui nous permet de comparer les différentes notes de l'élève. Passons maintenant à l'évaluation suivante. Donc, vous devez créer un graphique. Quel ruban devez-vous utiliser Donc, accueil, insertion, création ou affichage. Allez, prenez un temps de réflexion. Tentez votre chance. Très bien. Donc, pour créer un graphique, on doit utiliser le ruban insertion. Maintenant, pour appliquer un jeu de couleurs. Donc quelle option devez-vous vous, utiliser Donc élément du graphique, style du graphique, filtre du graphique. Donc pour appliquer un jeu de couleurs, il faut utiliser très bien, donc style du graphique. La question suivante, pour ajouter une légende, donc quelle option devez-vous vous, utiliser Donc est-ce qu'on va utiliser l'option élément de graphique Style de, du graphique, filtre du graphique, donc très bien. Donc, pour ajouter une légende, il faut utiliser l'option éléments de, de graphique. La question suivante pour mettre à jour les données du graphique, quel onglet du ruban Création devez-vous vous, utiliser Donc, est-ce qu'on va utiliser Sélectionner des données, Modifier le type du graphique ou Déplacer le graphique. Donc, pour faire la mise à jour, il faut utiliser l'option sélectionner des données. Donc, la question suivante pour mettre le graphique dans une nouvelle feuille, dans quel onglet du ruban Création devez-vous utiliser Est-ce qu'on va utiliser l'option sélectionner des, des données, modifier le type du graphique ou déplacer le graphique Très bien. Donc, pour mettre le graphique dans une nouvelle feuille, donc on va faire un déplacement. Donc, on va utiliser l'option déplacer le graphique. J'espère que cette présentation a été bénéfique pour vous. Merci pour votre attention.